C'était à Pokémon Go. J'ai une grande passion pour Pokémon. Alors, beaucoup de gens se moquent, mais il faut savoir. Déjà, Pokémon, c'est ma génération, avant toute chose. Et puis, c'est vrai que mon fils, il s'est un peu mis dedans. Il a 5 ans, mon fils s'est un peu mis dedans avec les cartes, tout ça. Ça m'a un peu relancé. Et du coup, c'est vrai que j'abuse un peu trop. Ma femme, d'ailleurs, elle est pas trop contente. La dernière série que j'ai regardée, c'était Lock and Key sur Netflix. Déjà en déplacement avec ma femme, tout ça, mais ouais, en déplacement toujours, je m'arrange pour avoir une série que j'ai pas encore regardée pour que ça fasse au moins 2-3 déplacements. À Amsterdam, avec ma femme et des amis à moi. Avec le métier qu'on a, si on n'aime pas voyager, c'est compliqué. Dans un bon restaurant, ça fait un moment que j'ai pas fait un vrai bon restaurant. Par contre, je peux vous dire que j'ai un anniversaire à fêter avec ma femme et on va aller faire un bon restaurant là dans pas longtemps à Lyon. Alors, j'y suis pas encore allé trop souvent, malheureusement, mais la dernière fois que j'y suis allé, c'était contre Strasbourg. Et j'ai bien vibré cette année en tout cas. C'était celui de l'année dernière et j'attends celui de cette année. On avait promis un, donc on va voir, ou sinon je suis obligé d'aller l'acheter. Je dois en avoir 4-5 depuis toujours quoi. C'était il y a 2 jours, c'est un peu une... C'était contre Orléans. Après, qui comptait, c'était contre Dijon en finale de Coupe de France. Mais là, lui, il a pas compté, mais quand même, c'est... Et puis c'était même plus loin que le milieu de terrain. Cette année, on joue quand même de très forts joueurs. Moi, j'ai bien aimé, tu sais qui, c'est Sid Shield de Milan. Parce que je trouve qu'il est quand même... On n'en parle pas assez. Ouais, c'est Eli Opana. Il a fait 2-3 moves quand même. On parle pas trop fort parce qu'il est à côté. Non, ça fait un moment. Hein. C'était la dernière défaite quoi, avec Monaco en championnat. Ouais. Contre l'ASVEL d'ailleurs, la défaite contre l'ASVEL en finale. Ouais. Ouais, c'était sûrement le trophée de champion de France.